Salut tout le monde, ici iPlay4You, on se retrouve pour le 9ème épisode de ma série sur thème hospital. Un 9ème épisode, un scénario un peu plus compliqué que ce qu'on a l'habitude de faire puisqu'on va avoir nos premières épidémies. Alors pour l'instant vous le voyez, vous l'avez vu dans l'épisode précédent, l'hôpital se passe plutôt bien, le scénario avance bien, j'ai des médecins, j'ai des patients, j'ai de l'argent. Mais voilà, je pense que ça va commencer à se compliquer à partir de cet épisode. Allez, je reprends tout de suite la sauvegarde, comme d'habitude les mêmes manipulations, je rentre mon pseudo. Je fais un chargement de sauvegarde et si j'ai bonne mémoire, ça doit être la une. À chaque fois que je pars, je laisse la une, comme ça je sais exactement où j'en suis. Voilà, donc vous en souvenez de ce scénario, oh j'ai une urgence, on s'était quitté sur l'urgence, exactement. Hop, c'est une salle d'opération. Voilà, je vous avais quitté sur cette urgence que je devais prendre, qui demande à deux chirurgiens d'opérer une personne. Alors, elle est où la piste d'atterrissage? Chaque fois, je l'oublie, c'est pas possible. Elle est là. Voilà, il va en salle d'opération pour se faire opérer. Et heureusement, j'ai des médecins. Voilà, les chirurgiens sont là. En plus, ils sont pas du tout fatigués. Donc ça va, ils vont pouvoir traiter l'urgence sans problème. Elle devra arriver d'ici quelques secondes. Elle est là. Allez, mon pote, vas-y, va te faire soigner. Ça augmentera ma réputation, ça augmentera mes finances. Et voilà, c'est parfait. Je vais vous remontrer un peu où on était au niveau des objectifs. Donc, il me faut un solde bancaire à 150 000 dollars, ce qui est énorme, j'en ai que 25 000. Il faut que je soigne 50% des patients, j'en ai soigné 78, c'est très bien. Il faut que je soigne 300 patients, j'en suis qu'à 54. Et il faut que mon hôpital soit à 140 000 dollars et il est qu'à 85 000. Donc, vous voyez, j'ai même pas fait la moitié. Voilà, l'urgence a été traitée, c'est très bien. Ça avance bien. Je trouve que mon hôpital pour l'instant est bien géré, mais il n'y a pas énormément de patients, quoi. Il va falloir que ça arrive, et je pense que ça va arriver dans cet épisode. Au fur et à mesure de l'avancement de ma réputation, vous voyez, elle est très très bien là. Elle est à 708, donc les gens vont venir, ça c'est sûr et certain. Va commencer à y avoir des épidémies. Alors, diagnostic, ça c'est fait. Cardio, est-ce que j'ai fait la cardio? Ouais, elle est là, la cardio. La cardio, taille langue, fracture, gonflage, tout ça, ça a été fait. Psychiatrie, c'est fait. Malade, c'est fait. Opération, pharmacie, fracture, salle de repos, recherche, toilette, salle de formation. J'ai pas fait la salle de formation parce que j'en ai pas besoin, en fait. J'en ai pas besoin du tout. Là, mon chercheur travaille très très bien. Il y a trop de médecins. Ouais, il y a peut-être un peu beaucoup de médecins, effectivement, mais je préfère en avoir trop que pas assez. Au moins, je sais que je peux parer toutes les situations d'urgence. Il va y avoir un tremblement de terre. Il faut faire réparer cette machine-là, absolument. Non, 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 non. On va attendre, mais il faut que je me méfie. Le tremblement de terre arrive. Ah, bah c'est bon, je pensais qu'elle allait être beaucoup plus endommagée. Pas du tout, en fait. Pas du tout, pas du tout, c'est un tout petit tremblement de terre. Ok, parfait. Les rayons X. Non, 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 non. Je faisais même pas les rayons X, qu'est-ce que tu racontes? Là, ça fume, là. Ouh, là, ça fume. Remplacer le déplateur. Je veux pas le remplacer, je veux le réparer. Voilà, c'est ça. Je me trompe de touche depuis tout à l'heure. Allez, ça tout fume, là. Tous les appareils fument, il faut les réparer, absolument. On va d'ailleurs embaucher un mec supplémentaire. Allez, voilà, réparez-moi tout ça. Voilà, ça répare. Invitation officielle. Voilà, parfait, il répare, il répare. Faut savoir que si vous ne réparez pas et que la machine explose, non seulement vous la perdez, mais vous perdez l'emplacement. C'est-à-dire que l'emplacement ici sera un cratère et vous ne pourrez plus vous en servir. Alerte à l'épidémie, épidémie. Les médecins ont découvert une épidémie de catarrhume. Si vous déclarez l'épidémie, vous aurez une amende de 2000 dollars, une baisse de réputation et tous les patients seront vaccinés automatiquement. Toutefois, si vous tentez de dissimuler, vous avez un peu de chance pour soigner les patients avant que les autorités sanitaires réagissent. Si un inspecteur vient et trouve une épidémie, il peut prendre des mesures drastiques. Déclarer cette épidémie, payer l'amende. Ouais, alors j'ai pas le choix. Voilà, j'ai payé l'épidémie. Tout simplement parce que j'ai la visite. J'ai la visite de quelqu'un, vous en souvenez?
J'ai lancé une invitation officielle, donc je pouvais pas dissimuler cette épidémie. J'ai dû payer. 14 personnes. On va construire une nouvelle pharmacie. Parce que je crois que c'est une pharmacie. Le problème, c'est que 14 personnes, c'est trop. Je ne pourrais pas les soigner. Donc on va reconstruire une pharmacie. Hop, hop. Ah, j'espère que c'est ça. Ouais, c'est ça. Pharmacie. On va les séparer en deux. Mais non, c'est pas les distributeurs que je veux. Allez, faut pas que je perde mon sang-froid. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Voilà, une infirmière ici. Toi là. Tu vas où? Tu vas à la pharmacie? C'est très bien. Allez, les urgences, on va les dispatcher un peu. Allez, 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 allez. Allez, mais sélectionne-moi la porte, abruti. Voilà, c'est bon. Ils se sont dispersés en deux pharmacies. Il y avait 14 patients. C'était beaucoup trop, 14. J'aurais jamais pu les traiter. Donc du coup, j'ai construit une autre pharmacie pour dispatcher en deux, en fait. Et vous voyez, ils se sont effectivement dispatchés en deux, même si ici, il y en a un peu beaucoup. On va la prendre et la mettre là. Hop, voilà. Vous pouvez, comme ça, dans les files d'attente, sélectionner les patients et les déplacer ailleurs. Et comme ça, il n'y a que 7 patients à traiter par pharmacie. C'est nickel. C'est obligatoire à ce stade-là du jeu de faire deux pharmacies. Parce que 14 traitements dans la même pharmacie, ça aurait pas été possible. J'aurais échoué, j'aurais perdu mon urgence. Alors que là, vous voyez, ça va passer. Ça va passer juste d'ailleurs. Ça va passer juste alors que j'ai deux pharmacies, alors imaginez si je l'avais pas construite. Ça aurait été catastrophique. C'est bien, ça augmente les patients soignés. Allez, on se dépêche là. Allez, on se dépêche, on se dépêche. Ah, je vais pas y arriver. Voilà, pas ici. Allez, allez, il reste pas grand chose, il reste pas grand chose. S'il te plaît, vas-y, toi. Toi aussi, vas-y. Oh, c'est pas vrai, je vais perdre des patients. Ah, je vais perdre une patiente. Et toi là? Oh, l'autre, elle s'est barrée. Aïe, 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 je vais faire un 10 sur 12. Sale feignasse, va. Eh ouais, j'ai échoué, elle est morte. Oh là là, c'est pas vrai. 12 personnes sur 14. Bon, c'est une bonne note déjà. C'est une bonne note, heureusement que j'ai fait deux pharmacies. Sinon ça aurait été un massacre. Ah, j'y crois pas, elle est partie se reposer alors qu'il y avait des patients à soigner, quoi. Oh là là, l'infirmière à deux balles, quoi. Bon, j'en ai tué deux. Mais c'est pas grave, vous voyez, mon argent a considérablement augmenté. Et surtout le nombre de patients soignés. Ah, je suis passé à 88, c'est très bien, c'est très très bien. Un équipement rayon X vient d'être découvert, parfait, on va pouvoir le construire, le rayon X. Il faut absolument que je fasse le rayon X, il est où? Voilà, il est là le rayon X. Alors, rayon X, on va le faire ici, hop. Oh, j'ai encore tué un patient, c'est pas vrai, j'arrête pas de les tuer les patients. Hop, et ici on laisse la place pour une autre salle. Voilà, salle de rayon X ici. Et bah alors, faut pas le construire? Hop, hop, voilà, c'est mieux comme ça. Radiateur et poubelle. Hop, et hop. Voilà, c'est maintenant que tu reviens, toi, il n'y a plus de patients et tu reviens. C'est pas possible. Ça tiendrait qu'à moi, je te ferai virer. Allez, on va installer des bancs. On va installer un distributeur, un extincteur et un radiateur. C'est parti. Hop, ici. Ici. Hop. Et voilà, parfait. Alors, c'est un superbe hôpital et j'en sais quelque chose. J'ai gagné 1 500 $. C'est très bien, sachant qu'il me faut 1 000... Oh, il y a une urgence. Il me faut 150 000 $. Un patient... Ah, c'est la salle d'opération. Allez, je l'accepte. Allez, les chirurgiens, là. C'est pas vrai, les chirurgiens, faut toujours les chercher. Toujours, toujours les chercher. Viens là. Hop, voilà. Oh, c'est pas vrai, il est fatigué. Il est fatigué. Ah, il est fatigué, il se barre. Et puis, il y a une urgence. C'est une catastrophe. Il faut pas que je me loupe. Viens là, toi. Voilà, va là-dedans. Non, 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 reviens là, toi.
Il est fatigué. Misère. Misère, mais... Oh là là, l'urgence, l'urgence en priorité. Hop, voilà, l'urgence en priorité. Allez, faut que je trouve un médecin. Faut que je trouve un chirurgien. M'en kikinez pas, les gars. Toi, t'es reposé? J'ai tué un patient, c'est pas vrai. Y'a plus de chirurgien. Non, c'est bon, ils étaient déjà deux. Ok, parfait. Oh là là, quelle catastrophe. Non! Mais pourquoi ils se barrent? Je vais pas y arriver, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Si vous êtes deux, j'ai l'impression que vous êtes deux. Allez, allez, c'est bon. Tu vas ou pas à l'urgence, là? Qu'est-ce que t'attends pour y aller? Tu t'es fait piquer ta place, l'urgence, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, on va jamais y arriver. Oh là 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 là, l'urgence s'est fait piquer sa place. Allez, soignez-le, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Et me faites pas de coups d'aller vous reposer. Je veux pas en entendre parler de ça. Allez, 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 suivant, suivant. Voilà, l'urgence y va. Oh, c'était chaud, c'était chaud, c'était chaud. J'ai frôlé la catastrophe. Je pouvais pas louper cette urgence, sinon ma réputation aurait pris une sérieuse claque. Allez, c'est bon, c'est soigné. Eh ben, dis donc, c'était chaud. Voilà, parfait. On arrive à la fin de l'année, on va faire le bilan. On va regarder un peu les statistiques pour le... pour la prochaine année, voir un peu où j'en suis. J'ai frôlé la catastrophe. Ça va, l'argent augmente bien. Il me faut 150. Putain, j'ai encore tué un patient, quoi. J'arrête pas de tuer des patients, c'est pas possible, je vais me faire virer, quoi. C'est la gloire, ok, c'est parfait. Alors, voyons voir ça. Je suis le plus riche, j'ai toujours les plus hauts salaires. J'ai 7 décès. C'est une catastrophe, 7 décès, quoi. Par contre, j'en ai soigné 102, ça c'est très bien. Et j'ai 140 visiteurs. Alors, est-ce que j'ai des récompenses? L'énorme taux de guérison, plus 4 000 $. Très propre, plus 27 en réputation. C'est très bien. Les objectifs, voyons voir ça. Il me faut 150 000 $, quoi. Il fait bien trop froid, installer des radiateurs. Ok, on va installer tout de suite. Bah, j'en suis très très loin des dollars. Par contre, j'ai fait un tiers des patients soignés. Ok. Allez, on va installer des radiateurs. On va augmenter aussi la... Oh, c'est pas vrai. 4 000 $ l'épidémie, quoi. Allez, je la paye. Voilà, vous avez deux choix quand vous avez une épidémie. Soit vous la payez et à ce moment-là, tout le monde est guéri. Soit vous la dissimulez. Et à ce moment-là, vous prenez le risque qu'il y ait véritablement une épidémie dans votre hôpital et qu'elle soit découverte. Et c'est catastrophique, en fait, parce que vous pouvez tout simplement vous faire virer. Faut savoir que les épidémies, au début, ne coûtent pas cher. Puisque là, vous voyez, j'ai payé 2 000, puis ensuite 4 000. La prochaine risque d'être à 8 000, ensuite 16 000, ensuite 32 000 $. Vous allez voir, les épidémies vont coûter très très cher. Et automatiquement, je vais être obligé d'en dissimuler. Parce que j'en aurai pas assez d'argent pour les payer. C'est sûr et certain. Donc au bout d'un moment, je serai obligé de les payer, de les dissimuler. Et là, ça va être tendu. Ça va être tendu, ça va être tendu. Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais. La réputation, qu'est-ce qu'elle a, la réputation? Pourquoi elle est tombée à 200? Qu'est-ce qu'elle a, ma réputation, quoi? Vous déconnez ou quoi? Ah, ça, c'est les épidémies, ça. J'ai combien d'infirmières? Ouais, je commence à avoir une petite pénurie de médecins. On va voir si je peux pas recruter un médecin et une infirmière. C'est pas là. Je le sens mal, ce scénario. Je le sens mal, je le sens mal. Travail. Allez, parfait. Vas-y, va bosser un peu, toi. Une infirmière, beaucoup de dévouement, c'est parfait. Voilà, j'embauche un peu de personnel. Alors, est-ce que j'ai pas de nouvelles salles? Thaïlande, j'ai... Moumout. Ah, Moumout. Ok, j'ai la salle des Moumout. On va la faire. Vous allez voir, c'est très marrant, cette salle. Je crois que c'est des gens qui sont trop poilus et qui se font couper les poils. Ah, vous verrez, c'est très marrant. Hop, poubelle. Ah, voilà, c'est les radiateurs qu'il fallait que je fasse. Je savais bien qu'il y avait un truc que j'avais oublié. Les patients souffrant de sévères calvities se rendront dans cette salle équipée d'un moumouteur. Un médecin utilisera la machine pour donner aux patients une nouvelle chevelure. C'est excellent. Il faut qu'on en trouve un. Le problème, c'est que je l'ai construit en bas et du coup, vous ne verrez pas. Vous ne verrez pas tout. Ah, je l'ai mal construite. Est-ce qu'il n'y a pas un moumouteur? Est-ce qu'il n'y a pas un mec qui a trop de poils?
On va finir par en trouver un, vous verrez, ils sont très très marrants. Ils sont remplis de poils en fait. Alors là-dedans, ça attend, il n'y a pas de médecin. Pourquoi il n'y a pas de médecin là-dedans? Est-ce que vous attendez un peu? C'est toi là? Non, non. Va bosser, feignasse là. C'est pas vrai ça. Ok. Ça se passe bien. Les recherches, ça avance bien aussi. Regardons un peu les recherches d'ailleurs, tiens. Ok, ça avance bien. Les patients sont soignés. Ils sont traités. Tout va bien. Ici, il y a une canette. Ce serait bien de la... Hop, tiens. Ramasse-moi ça. Bon, pour l'instant, il est propre, l'hôpital. Tout se passe bien. Les radiateurs. J'ai utilisé là toute la surface, par contre. Vous avez vu, la prochaine étape, ça va être de... de racheter un local... pour mon hôpital, parce que là en fait je suis plein. Hop, voilà, je construis des radiateurs. Des radiateurs un peu partout. Et voilà, on va augmenter. Hop là, voilà, parfait, comme ça ils auront plus froid. L'argent ça augmente, hein. Vous entendez, les patients sont guéris. On est à combien de patients guéris? 127, ça augmente très très bien. La réputation augmente, qu'est-ce que c'est que ça? Ils demandent tout le temps des augmentations. La chaudière est en panne. Oh. Ah! Moumoute! Moumoute, moumoute! Allez, viens, toi. Implantation capillaire. C'était pas moumoute? Non, c'était pas moumoute. Je pensais que c'était moumoute, mais non. Toujours à la recherche de mon premier patient moumoute. J'en ai des médecins. Et apparemment, toujours pas assez. Un chirurgien. Un chirurgien qui est pas terrible. Mais on le prend quand même. Allez hop. Voilà. Oh là là, il avance à 2 à l'heure. Oh là là, regardez ça, il a 2 de tense. Aïe aïe aïe, combien ça va me coûter? Oh, 2000. 2000, c'est rien. Déclarer une épidémie et payer l'amende. Voilà, j'ai payé l'amende. La chaudière est réparée. Ok, très bien. Allez, on va construire une toute nouvelle salle. On va prendre celle-là. Voilà. On va agrandir un peu notre hôpital. Donc, hop. On va pas faire une salle de diagnostic si on va en refaire une. On va agrandir. Allez, on va agrandir. Salle de diagnostic, on va la faire là. Hop. Voilà. Parfait. Hop. Hop. Hop, on va planter poubelle, radiateur. Ouais, il y a des personnalités dans le bâtiment. Ouais, bah ça va, tu vas finir par terre au bout d'un moment. Là, tu commences à être saoulante. Alors, rayon X, psychiatrie, cardiomachie, tout ça, on va faire une salle de diagnostic. Une nouvelle, j'en avais besoin d'une. Hop, voilà, on va la faire là. On agrandit l'hôpital toujours, hein, pour augmenter la valeur de celui-ci, puisque je rappelle que je dois avoir une grosse grosse valeur d'hôpital. Oh, quelle galère ça. Ah là 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 là, je peux pas prendre une décision à 50% quoi. Hop. Hop. On va équiper l'hôpital, on va mettre un distributeur, un radiateur. Le problème c'est que j'ai pas de place quoi. Ici même pas, ici je peux pas. Tant pis pour le radiateur. Vous allez vous geler, c'est pas grave. Ok, ici c'est parfait. Ah, 76%. Mais voilà, c'est pas mal ça. Voilà, ici on aperçoit la personnalité. Une urgence, une urgence. 6 personnes, syndrome du King, c'est psychiatrie. Allez, je veux bien. Psychiatrie, psychiatrie, psychiatrie. Il est où mon psychiatre? On va chercher le psychiatre tout de suite. Toi! Allez, viens là. Voilà, le syndrome du King, c'est la psychiatrie, j'en suis sûr et certain. Il m'en faut 6. Est-ce que je vais y arriver? Je l'espère. Je l'espère, je l'espère. Ah là, les urgences arrivent.
elle s'installe. C'est pas vrai. Hop, voilà, je l'ai fait passer avant toi, je suis désolé. Mais c'est une urgence. Hop. Hop. Et hop, voilà, j'espère que ça va le faire. J'espère que ça va le faire. Allez, dépêche-toi. Oh là là, c'est trop lent, c'est trop lent, c'est trop lent. Regardez ça, il faut qu'il se foute à poil. Oh là là là, c'est trop lent. Suivant, 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 suivant. Oh, puis l'autre il chie là. Oh là là, je vais en perdre. C'est sûr et certain, je vais en perdre. Faut au moins que je fasse 4 sur 6, quoi. Aïe, 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 je vais en perdre. Ouais, c'est bien, j'ai fait la moitié en termes de guérison, je suis à 150 sur 300, ça c'est cool. Voilà, je vais encore en faire un. Ouais, c'est bon, je vais faire les 4 sur 6. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, je vais peut-être même en faire 5 sur 6 avec un peu de chance. Oh, ce serait génial si j'arrivais à faire 5 sur 6. Ouais, il y en a un qui va mourir, c'est sûr et certain par contre. Ouais, c'est bon, 5 sur 6. Allez, c'est bon, 5 sur 6. Il y en a un qui aura pas le temps, mais c'est pas grave. Par contre, le chien. Ouais, ça va, la fatigue, c'est bon. Peut-être 6 sur 6 si tu te dépêches de rentrer avant la fin du chrono. Peut-être, peut-être. Allez, rentre. Rentre, rentre, rentre. Voilà, 6 sur 6, c'est bon, il est rentré dans la pièce. À partir du moment où il est rentré dans la pièce, il est considéré comme guéri. Voilà, le chrono est fini. 6 sur 6. Oh, j'ai eu chaud. Le chrono est fini. Hop là, il est guéri. Parfait. 5 sur 6. Oh, ça me l'a pas compté. Oh non, non. Pourtant, il était rentré dedans. Je suis désolé, il était rentré dedans. C'est dégueulasse, quoi. Oh, bande de salopards. Bon, c'est pas grave. 5 sur 6, c'est déjà pas mal. C'est une très très bonne performance. Voilà, ici, il faut que j'améliore encore. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, tiens. Cardiomachie, rayon X, clinique. On va peut-être faire... Ah, Moumoute, tiens, j'ai toujours pas vu de Moumoute. On va regarder, tiens, s'il n'y a pas un Moumouteur quelque part. Non, marche pas très bien la salle de Moumoute. Ah, les patients arrivent, regardez ça. Ça arrive en nombre, là, c'est très très bien. Ça arrive en nombre, parfait, parfait, ça avance bien. Bon, mais ça se passe bien, ça y est, commence à y avoir du monde dans l'hôpital. Hein. S'il y a une épidémie, je vous raconte pas, c'est massacre. C'est massacre, ça va me coûter la peau du cul. Je rappelle que j'ai comme objectif d'avoir 150 000 dollars. J'en ai 68. Ben, ça c'est bien, ça c'est bien. Il faut que j'augmente la valeur de mon hôpital. Allez, les recherches. Y a pas de recherche là, qu'est-ce que tu fous? T'es où? Chercheur, ok, très bien, il y va. Va bosser un peu. Attendent. Chirurgie, c'est bon, ça se passe bien, ça dépote. C'est quoi cette salle? Attends, dites-moi pas, c'est la chirurgie. Ah, oh, t'as le nombre de personnes qui attendent la chirurgie, quoi. Oh là 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 là, puis il avance pas, lui, c'est le chirurgien à deux balles, quoi. Je vais pas construire une nouvelle salle d'opération, ça servira à rien. Oh là là, il y a trop de monde en chirurgie, là. Il faut se dépêcher un peu, là, le chirurgien. Il a deux de temps aussi. Il y en a qui vont mourir, c'est sûr. Quand les patients attendent trop longtemps en chirurgie, ils meurent. Et du coup, j'ai peur pour les autres. Oh là là, oh là là là, ça, ça. C'est pas bon, ça. Toi. Toi, est-ce que tu serais pas un bon chirurgien? Non, t'es pas un bon chirurgien. Il est trop lent, le chirurgien, là. C'est pas vrai. Épidémie. 8000. Oh là 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 là. Allez, je la paye. Au bout d'un moment, je pourrais plus les payer, de toute façon. C'est sûr et certain. Oh, c'est pas vrai. Est-ce qu'il n'y aurait pas un chirurgien? Tiens, chirurgien. Oh! Oh, je me le suis fait piquer sous mes yeux. Oh, il y avait un chirurgien, vous avez vu, je me le suis fait piquer sous mes yeux. C'est un autre hôpital qui l'a embauché. Oh, misère, je me le suis fait piquer, j'allais le prendre, là. J'ai pas de chirurgien, c'est pas vrai. J'allais le prendre, le chirurgien, je suis dégoûté, quoi. Allez, dépêche-toi de finir, toi. Allez. Faut pas attendre plus longtemps.
Y'a trop de monde là, ils vont mourir, c'est sûr. Fais. Mais t'avances pas, toi, t'as deux de temps. Mais t'es. C'est pas possible d'avancer autant là. Oh là 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 là, il a deux de temps. Oh, c'est pas vrai, il faut que j'en trouve un autre chirurgien, quoi. Toi, chirurgien. Parfait. Allez, va là. J'attends que tu te soignes et après je te change. Je peux pas continuer avec un chirurgien pareil, il est infernal, quoi. Allez, soigne-le, dépêche-toi. Regardez ça, il met 4 heures, quoi. Il met 4 heures pour faire une opération. Allez, s'il te plaît, dépêche-toi. Voilà, parfait. Fous-moi le camp. Va vivre ta vie. Non, reviens là. Tu te fous de moi, hein. Je vais pas y arriver. Ils sont tellement bêtes, quoi. Mais non, t'étais très bon, toi. C'est toi qu'il faut que je vire, là. Oh, et puis merde, débrouillez-vous, comment ça me saouler. Il a bugué, lui. Oh là là, il est tellement lent. Je vais pas y arriver, quoi. Viens là, toi, je t'ai dit. Et toi, fous-moi le camp. Mais c'est pas vrai, hein. Mais c'est pas vrai, quoi. Ouais, laisse tomber, j'y arrive pas. Je veux mettre deux chirurgiens rapides et il y a toujours la même lanterne qui arrive là. Le mec, il a deux tenses. Le problème, c'est que là, oh là là, il faut que j'en construise une autre. Est-ce qu'il y aurait pas un chirurgien? Il est lent, lui. Toi! Ok, ouais, ils sont en train de mourir, faut que je construise une autre salle d'opération. Oh, puis il y a une épidémie. Oh, 10 000 dollars, quoi. Oh là là, 10 000 dollars, ça commence à partir en sucette. Ça va pas du tout, ça part en sucette, les amis. Oh, trop grande cette pièce aussi. Oh, flûte, ça part en sucette cet hôpital. Je suis obligé de construire une autre salle d'opération parce que vous voyez, il y en a trop. Il y en a trop. Hop. Hop. Hop, on va essayer de les dispatcher. Parce que là, ils vont mourir, sinon, c'est sûr. C'est sûr et certain, ils vont mourir. Si je les dispatche pas, c'est la mort assurée. Oh, encore une épidémie, c'est pas vrai. 2000, allez, 2000, c'est rien, je la paye. Allez, on va dispatcher. Oh là là, regardez la salle d'opération. Voilà. Oh, une urgence. C'est pas vrai, une urgence. Fracture, c'est parfait, fracture, c'est très facile. Allez, s'il vous plaît, les chirurgiens, on y va, là. Ok, chirurgien, il y va. Oh, quel enfer. Et la machine qui fume juste au-dessus, là. Regardez ça, elle fume, la machine. Oh, ça part en sucette. Il manque un chirurgien, là. Allez, je vais l'embaucher, l'autre. Tant pis, il est nul, mais j'ai pas le choix. Voilà, il avance pas, mais j'ai pas le choix. Deux salles d'opération, j'ai pas le choix, il faut y aller. Ok, c'est bon, ça c'est désengorgé. On en est à combien? Deux patients ici. Oh là là, là, c'est l'enfer. Et les fractures, là, l'urgence. Allez, l'urgence, là. C'est la gloire. Ok, j'y suis toujours. Oh là, ça commence à devenir chaotique. Ça c'est bon. Guérison, c'est bon. Des récompenses. Pas de récompenses. Ah, j'ai oublié de cliquer dessus. Flûte. Bon, écoutez, on en est où par rapport aux objectifs? Alors, l'argent, c'est bon, c'est pas mal, ça augmente. Ça, c'est bon. 200 patients sur 300. Et la valeur d'hôpital augmente très bien. Je vais arrêter là, évidemment, l'hôpital, l'épisode pour aujourd'hui. Vous voyez, ça avance très très bien. Par contre, j'ai pas assez de médecins, j'ai l'impression. Pas de chirurgien. Oh là 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 là. Ok, allez, j'arrête là l'hôpital pour aujourd'hui. Ça commence à devenir assez chaotique. J'espère que je vais m'en sortir. Vous aurez la réponse dans la prochaine vidéo. À la prochaine. Salut à tous.